Liverpool, Angleterre, le 2 mai.
Je sais très bien que tu as l'intention de te débarrasser de moi. Et cela dès que l'occasion s'en présentera. Mais laisse-moi t'avertir. Si jamais tes desseins se réalisaient, tu serais tué toi aussi. Et c'est là que je me suis arrêté. C'est excellent, Jason. Je veux le reste du livre dans 3 semaines. Oh, mais j'écris un Marquet, mais ce n'est pas aussi facile que d'écrire la liste pour la blanchisseuse. 3 semaines. Nous avons monté une campagne publicitaire en postulant que le livre sortirait à cette date. Charles, qu'est-ce que c'est que ça? De la soupe de poisson portugaise. Et qui vous a demandé une soupe? C'est ridicule. Je n'ai pas commandé ça. Non, monsieur. C'est ce monsieur là-bas qui l'a commandé pour vous. Mélissa, voudriez-vous m'excuser un moment? Oui, bien sûr. Quelle surprise de vous voir ici. Qui? Asseyez-vous. Merci. Je ne vous garderai pas longtemps éloigné d'une si charmante compagnie. Et gardez-moi tout le temps nécessaire, elle est envoyée par mon éditeur. Comment se fait-il que vous m'ayez commandé une soupe de poisson portugaise dans ce restaurant? Ceci a l'air délicieux. Et je peux? Oui, allez-y, je vous en prie. Merci. Hier, 124 boîtes comme celle-ci ont été volées dans un entrepôt de Liverpool. Jusqu'où peut mener la gourmandise? Les voleurs ont réussi à passer par un autre entrepôt en creusant à travers le mur. Tout ce travail pour une caisse de soupe, la question est de savoir pourquoi. Moi, ça me paraît évident. Sullivan ne pense pas comme vous. Il voudrait que vous l'aidiez dans son enquête. Mmh. Je crois qu'il sera très bien se débrouiller sans moi dans cette affaire-là. Si vous changez d'opinion, vous le trouverez à cette adresse tout à l'heure. Pour le moment, il est à Liverpool avec Mademoiselle Hurst. Mmh. Évident, avez-vous dit. Mmh. Elle devait contenir autre chose. De l'héroïne. Ou n'importe quoi. Il n'y a qu'une seule caisse qui a été portée manquante. Exact. Et la caisse volée était destinée au même grossiste que celle-ci. Merci. Quand devait-on prendre ce chargement? Tout à l'heure. Et on l'a débarqué hier soir, je crois. Exact. Mmh. Oh, excusez-moi. Mmh. Il semblerait que ceux qui ont volé la caisse savaient qu'elle resterait seulement une nuit ici. Oui, c'est très probable. Dans quelle intention se sont-ils compliqués la tâche en décidant de creuser dans ce mur? Ça n'a aucun sens. Pas pour l'instant. Non. Et s'ils venaient à cause de la soupe, pourquoi ont-ils volé des radios? Pour se distraire. Tu commences à être comme Jason. Sullivan! Oui? Les conserves ont été découvertes. Vous en avez ouvert quelques-unes? Oui, une douzaine déjà. Et qu'est-ce qu'elles contiennent? De la soupe. Vous croyez qu'il en manque? Non, elles sont toutes là. Il n'en manque pas une seule. Le tas d'ordures les recouvrait. Est-ce que vous pourriez faire ouvrir les boîtes restantes aussi vite que possible, Rogers? Je m'en occupe immédiatement. L'enquête se complique. Pourquoi ont-ils abandonné les conserves qu'ils venaient de voler? S'ils n'étaient pas intéressés par la soupe. Ils étaient peut-être venus à cause de la caisse. De la caisse? Oui. Oh, c'est peut-être une plaisanterie, un pari ou je ne sais quoi. Oh non, c'était beaucoup trop bien préparé. En tout cas, ta théorie à propos de quelque chose d'autre dans les boîtes est tombée à l'eau, hein? Oui. S'ils avaient tellement besoin d'une caisse, ils auraient pu s'en payer une. Oui. C'est très intéressant, tu ne trouves pas? Je te croyais occupé pour l'instant. Bon, la publicité sera reportée, je suppose. Je sais comment convaincre Mélissa. J'en suis persuadé. Et je prends l'avion demain matin. Pourquoi? Où vas-tu? Mais à Lisbonne, c'est de là que le chargement est parti. C'est sûrement là qu'on trouvera la réponse. Je vais peut-être te surprendre, mais je ne suis pas très bien ta manière de raisonner. Mais ça n'a pas d'importance, nous avons beaucoup à faire de notre côté. Il est probable qu'on se verra pendant l'enquête. Qu'a-t-on volé d'autre? Des radios? Oui, c'est ça, des radios. Oh oui, elle est très bien, Jérémy. Mais dis-moi où tu l'as achetée. Oh, mais j'ai comme l'impression que tu n'as pas du tout confiance en moi, Lavinia, n'est-ce pas? Petit, quand tu es beau. Oui, parce qu'il t'arrive souvent de faire n'importe quoi, et tu le sais bien. Oh, voyons, comment oses-tu dire une chose pareille? Nous n'avons pas oublié qu'au jour de l'an, tu avais tapé sur un policier, Jérémy. Oui, bien sûr, mais cet idiot-là me cherchait des histoires, et il faut aussi le dire. Je crois. Alors, écoute, est-ce que tu le veux ou non? J'ai demandé 3 livres, c'est tout. Es-tu absolument sûr d'avoir eu cette radio d'une manière parfaitement honnête? Oh, écoute, mon cœur, je t'en donne ma parole. Thérèse. Bon, c'est d'accord. Ah. Une, deux, trois. Mais je te préviens, Jérémy, si jamais tu l'as eu d'une façon malhonnête...
Non, en toute logique, ce n'est pas notre faute. Rupert nous en tiendra tous les deux pour responsables. Et pourquoi veux-tu le lui dire, alors? Tu es devenu fou. Un jour ou l'autre, il l'apprendrait. Et il peut être très violent. Ah, vous voilà. Bien, on vient de me le confirmer. C'est définitivement fixé après-demain. Allez, venez. Où est Jérémy? Eh bien, on n'en sait rien. Je croyais vous avoir dit de ne pas vous séparer. J'attends, ça n'est pas tout. Tu peux aussi bien apprendre le reste. 5 des appareils radio ont disparu. Jérémy? Eh bien, je suppose, oui. Oh, l'idiot. Amenez-le-moi. Nous avons déjà regardé partout en ville et il n'est pas revenu à la surface de la journée. Est-ce que tu as entendu? Retrouvez-le. J'espérais te voir arriver plus tôt. Oh, j'ai eu des difficultés à retrouver le grossiste. Mmh. Oh, j'en ai plus qu'assez. Après une enquête minutieuse, j'ai réussi à apprendre que ces boîtes devaient être livrées à un grand restaurant. À Londres? Mmh. C'était une commande urgente. Le chargement est parti pour Liverpool en priorité. Mmh, d'accord. As-tu la liste des revendeurs? Oui, presque tous sont à Londres. Ils ne sont pas nombreux non plus. Jason croit qu'ils sont venus pour la caisse. Pour la caisse? Et que ferait-il d'une caisse? J'en sais rien. Il existe sûrement d'autres caisses dans le commerce. J'ai du mal à trouver cette raison valable. Tu devras éclaircir cette question demain. Oh. Renseigne-toi auprès des détaillants. Je veux une liste des consommateurs qui achètent cette soupe par caisse. En particulier les nouveaux et une autre liste complète de personnes qui ont tenté d'avoir des caisses. Hmm. Je m'en souviens encore. Une caisse de boîte de soupe de poisson. Il a refusé de prendre la livraison. Il disait que c'était pas la bonne caisse. J'ai vite appelé ici en demandant qu'on vérifie la commande et comme c'était juste, il a dû la garder. Et quand il a dit que ce n'était pas la bonne, est-ce qu'il parlait alors de la soupe ou de la caisse? La soupe, j'imagine. Qui voudrait une caisse? Oui, c'est exact. Est-ce que vous sauriez le décrire pour moi? Oh oui, il était plutôt jeune. Il avait des vêtements légèrement à la mode actuelle, vous devez connaître. Oui, je crois. Je trouve rien d'autre à vous dire. Vous reconnaîtriez cet homme en le revoyant? Non, je crois pas. Peut-être bien. Vous pourriez me donner son adresse? Oh, elle était inscrite sur la commande, hélas. C'était à Portobello, mais c'est plutôt vague. Toi? Oui, où es-tu? Viens par ici. Après t'avoir téléphoné, j'ai fait une découverte intéressante. Une caisse de soupe vide. Lisbonne. Allô? Oui, merci. Allô? Oui, je voudrais le seigneur Ramos, s'il vous plaît. Oh, le seigneur Ramos est dehors toute la journée. Voulez-vous lui laisser un message? Ah. Eh bien, il est important que je le rencontre très vite.
Et je vais ouvrir un restaurant à Londres et je voulais demander qu'on m'envoie quelques caisses de votre soupe. Oh, attendez un instant, je regarde s'il sera là demain. Alors venez à 10h demain matin. Quel est votre nom, s'il vous plaît, seigneur? Merci. Au revoir, seigneur King. Qui était-ce, Maria? Un certain King, Jason King. Oh. C'est un nouveau client pour l'Angleterre. Rupert s'inquiétait pour toi, Jérémy. Quant à nous deux, on a passé des heures à te chercher hier. Oui, Rupert nous a demandé tout à l'heure pourquoi tu n'apparaissais plus. Il croit que tu lui caches quelque chose. Oh, mais je lui cache rien du tout, vous le savez très bien. Oui, bien sûr, nous lui avons expliqué, Jérémy. Il a semblé avoir du mal à l'admettre. Bonjour, Rupert. Assieds-toi, Jérémy. On va s'amuser tous ensemble. Ensemble? Ouais. C'est un jeu très drôle. Il paraît que tu es incapable de faire un travail sérieux sans t'amuser. Mettez-lui un bandeau. Est-ce que c'est nécessaire? Ne t'inquiète pas, Jérémy, c'est un petit jeu très simple. La première phase du jeu consiste... Attends, à te faire tourner. Ah. Et encore. Et encore. Et encore. Et puis on t'arrête soudainement. Ensuite, tu prends cet objet et tu dois deviner ce que c'est. Oh, j'en sais rien. Oh, tu m'étonnes. Bien, alors je vais te donner une indication pour t'aider. Oh, c'est une radio? Eh bien, bravo, tu as trouvé. Le reste du jeu te paraîtra ridicule. Et tout ce que tu as à me dire, c'est où sont passés les 5 postes de radio que tu as cru devoir emporter. Oh, quelle radio, Rupert? Non, ce n'est pas ce que tu dois me dire, Jérémy. Mais heureusement pour toi, le règlement te permet une seconde chance. Et si par malheur, tu décidais de ne pas saisir cette occasion que nous t'offrons de reconsidérer ce que tu dois nous répondre, ce serait la dernière chance que tu aies jamais eue. M'en suis débarrassé. D'accord. Alors, puisque tu y tiens... Non, c'est vrai, j'ai jeté 4 appareils du pont de Battersea ce matin. Et qu'est-ce que tu as fait de l'autre? Je l'ai vendu à Lavinia et à Thérèse. Une espèce d'imbécile. Oh, mais j'étais fauché, je devais payer le loyer. Le loyer? Mais nous allons réaliser le gros coup qui va te rapporter une fortune. Et tu es fauché. Ah, d'accord, Jérémy, d'accord. Écoute. Écoute et surtout fais ce que je vais te dire. Tu vas vite récupérer cet appareil. Et quand tu l'auras retrouvé, tu reviendras tout de suite ici. Et tu resteras jusqu'à ce que nous ayons terminé cette affaire. Et si jamais tu essayais de sortir, ne serait-ce qu'une seconde, je te tuerai. Oh non, tu ne ferais pas ça. Voici la caisse trouvée dans la pièce vide. Et voici une des caisses des entrepôts de Liverpool. Tu n'as rien appris au sujet de cette adresse? Non, ça fait un an que le réduit est vide et le propriétaire s'en désintéresse. Donc il n'a aucune idée de son occupant temporaire? Non, aucune, parce que dès qu'il y installe de nouveaux verrous, on les lui fait sauter. Où en est-on à propos des radios? La police fait actuellement circuler leur description. Si on en croit l'importateur, il y a une marque spéciale sur les appareils de ce type. Il ne reste qu'à attendre qu'on les revende. Il nous le dira aussitôt, mais aucun d'eux n'a beaucoup d'espoir. La seule piste qui nous reste, c'est celle des caisses. À Liverpool, le chargement a été constitué par des caisses d'une nouvelle dimension. C'est pour ça que les voleurs ne parvenaient pas à s'en procurer. Est-ce qu'ils ont essayé? Est-ce que le chargement est si important? Oh, j'ai dressé un câble à Jason pour l'avertir. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas répondu. Une compagnie change la forme et la dimension de ses caisses, et des voleurs en dérobent une. Il ne nous reste qu'à découvrir pourquoi. Il nous reste surtout à découvrir qui.
dit que j'ai entendu du bruit, j'en suis sûre. Sois prudente, Lavinia. Oh, écoute, Thérèse, tu as encore laissé la fenêtre ouverte. Tu pourrais faire plus attention, quand même. Oh, excuse-moi, je croyais l'avoir fermée. Eh bien, c'était juste. Oui. Tu fais exprès de toujours tout nous compliquer, Jérémy. Ça suffit. Allons-nous-en d'ici. Et vous, monsieur? Lavinia Beresford? Oh, attendez. Lavinia, ma chérie. Il y a un monsieur qui demande à te voir. Oh, qu'est-ce que vous en dites? C'est absolument terrible dans une réception comme Cendrier. Non, je suis venu pour une radio. Une radio? Oui, vous avez déclaré à la police quand vous en a volé une cette nuit. Et d'après votre description, elle était identique à celle-ci. Oh, oui. C'est exact, oui. Pourriez-vous me dire comment vous vous l'étiez procurée? Pourquoi? Que se passe-t-il donc? Nous avons déjà dit à la police tout ce que nous savions. Mais pas où vous l'aviez achetée. Elle était peut-être volée. Oh, ça y est, j'en étais certaine. Je suppose que nous devons tout vous dire. J'en ai peur, oui. Jérémy Standish est venu nous la vendre. Jérémy Standish, où pourrais-je le trouver? Oh, personne ne le sait. Il est venu ici l'autre jour, seulement nous ne l'avions plus revu depuis des mois avant ça. C'est un homme qui adore disparaître. Mais peut-être pourriez-vous me donner quelques détails. Sa description d'abord. On le dit. En tout cas, espérons toutes les deux que Jérémy saura comprendre. Excusez-moi, Maria. Maria, je... Est-ce que vous auriez le temps de taper pour moi? Oh, mais quand, Seigneur King? Et ce soir, peut-être. Après le dîner? Ben oui, si vous voulez le prendre avec moi... Et à votre hôtel, je suppose. Où voulez-vous que j'aille, ici? Oui, j'accepte. Vous pourriez nous attendre vers... Qui ça, nous? Ma mère sera là. Votre mère? Elle me sert toujours de chaperon quand je travaille aussi tard. Ah, mais alors ça va être difficile parce que ma mère non plus ne me quitte jamais. Avec deux mères qui chaperonnent leurs enfants, ça ne sera pas très distrayant. Tant pis, alors. Si vous changez d'avis avant de quitter le bureau... Faites-le-moi savoir, d'accord? Oui, bien sûr. Dans combien de temps le Seigneur Ramos va-t-il me recevoir? En général, il est toujours à l'heure. Il ne laisse pas attendre ses clients importants. Et encore, soyez heureux d'être ici. Pourquoi? Le Seigneur Segres... Qui est-ce? Le Seigneur Ramos le désigne comme son assistant. A essayé de vous joindre pour annuler le rendez-vous prévu. Pourquoi? Eh bien, il a seulement grommelé qu'il aurait fallu éviter de le déranger. Seigneur King, le Seigneur Ramos va vous recevoir. Merci. Seigneur King, un célèbre écrivain. Ah, seriez-vous aussi un fidèle de Mark Kane? Justement, j'ai apporté avec Mark Kane. Non, c'est inutile. En fait, je trouve Mark Kane, pour être franc avec vous, de très mauvais goût. Ah, mais comme c'est curieux, c'est exactement mon opinion sur votre soupe. Eh bien, Seigneur, nous sommes à égalité. Asseyez-vous, Seigneur. Merci. Eh bien,
Allez-y, je vous écoute. Puisque vous avez tenu à cet entretien, je propose qu'on en vienne tout de suite au fait. Ça évitera de gaspiller notre temps. Et je m'intéresse à une certaine caisse de boîtes de soupe qui a été volée à Liverpool l'autre nuit. Oh. Et je voudrais comprendre pourquoi on a couru ce risque, rien pour voler une caisse. C'est une histoire extraordinaire. Vous devez beaucoup vous amuser en tentant de trouver une explication. Pour être franc, j'en ai trouvé une. Oui, bien sûr. Et ma théorie est que... Mais voulez-vous entendre ma théorie? Je crois n'avoir aucun choix. Et ma théorie est que cette caisse a été nouvellement dessinée, c'est important. Il est aussi important qu'elle n'ait rien contenu qui ait de la valeur. Sa valeur résidant uniquement dans le rôle qu'elle remplira plus tard. Je suis désolé, je ne comprends rien à ce que vous dites, Seigneur. Eh bien, je vais essayer d'être plus clair. Disons que la caisse en question servira plus tard à un échange. Et la caisse volée sera certainement mise à la place d'une autre caisse qui, elle, contiendra des objets de valeur. Seigneur King, je m'occupe de fabriquer et de vendre de la soupe. Je la mets dans des boîtes de conserve qui quittent notre usine, dans des caisses. Et pour moi, ça a de la valeur. Quant à votre théorie, je vous avouerai qu'elle est markenienne, en un mot, grotesque. Merci. Je ne vois aucune raison de prolonger notre conversation. Ah. Peut-être nous reverrons-nous. J'en serais surpris, Seigneur. Au revoir, Seigneur King. Au revoir, Seigneur Ramos. Oh. C'était court. Et pas très tendre. Voici mon numéro de téléphone personnel. Et j'ai encore une autre chose à vous avouer. Ma mère est toujours très fatiguée. Et le soir, elle ne pense qu'à s'endormir. Et plus rien ne la réveille. Voilà une bonne nouvelle. Rien n'éveille la mienne. Non plus. Alors, comment ça se passe? Pas mal du tout. J'ai interrogé les deux filles de la boutique qui m'ont parlé de Jérémy. Elles m'ont donné le nom de ses amis. Et la description de Jérémy? Oui, bien entendu. Oh. En tout cas, elle correspond à celle de l'homme qui avait reçu la fameuse livraison. Oui, presque des gamins. Et probablement des amateurs. Ça complique encore les choses. Oh, j'ai des nouvelles de Jason. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Des théories, des suppositions. C'est bien de Jason, ça. Il a rendu visite à Ramos, à sa compagnie, et il dit que... Enfin, il pense que celui-ci est mêlé de près à cette histoire. Il a l'intention d'y retourner cette nuit. Je suppose que Ramos doit beaucoup en savoir. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Asseyez-vous, Fernando. Tenez. Je suppose que vous vous demandez pourquoi vous êtes ici. Eh bien, je vais essayer de vous expliquer ça. Alors, Fernando, je crois que nous devrions avoir une petite conversation au sujet de Liverpool. Et en particulier au sujet d'une certaine caisse de soupe. Ouais. Oui, tout ce que vous racontez paraît être très intéressant. Oui, je pensais que je devais vous avertir, Grégory. De toute manière, ça vous éclaire sur la situation. Je suppose que vous saurez quoi décider. Oui. À bientôt. À bientôt, Ramos. Merci. Nous allons avoir quelques complications sur les bras, semble-t-il, Albert. Très sérieuses? Oh oui, elles sont assez graves. Mais je crois que toi et Dominique, vous saurez les régler. Que s'est-il passé? Tu te souviens de ces graisses? Oui. Il essaie de jouer au plus malin avec nous. Mais c'est à Ramos d'arranger l'affaire. Oui, oui, bien sûr, mais il y a des complications. Il y a une boutique située à la fin de King's Road, le... Lochinvar, elle appartient à un nommé Rupert Fallon. Non, non, Dominique, pas de ça. Pas de ça, non. C'est trop tôt, de toute manière. Fallon, c'est tout. Spécialement quand l'envoi particulier doit arriver. Il a l'intention de nous prendre de vitesse. Pour l'immédiat, je voudrais que vous alliez sur place pour garder un œil intéressé sur ce jeune imbécile de Fallon. Et veillez à ce qu'il ne se mette pas dans une situation plus grave. D'accord.
n'a rien d'un client ordinaire, d'après moi. Non. Elle est magnifique. Hein? Oui. Oui, c'est exact. Ça vient de la façon dont la veste remonte en bas, là. Mmh. Hein? Oui, c'est ça. Vous voyez, hein? Oh, pardon. Vous voulez quelque chose? Mmh. Une veste, peut-être bien? Non. Non, vous avez raison. Non. Ce n'est pas votre genre. Alors, ça? Une cravate? Non. Une radio. Une radio? Mmh. Et de ce modèle? Mais nous ne vendons pas de radio. Pourtant, c'est ce qu'on m'a raconté, Monsieur Standish. Vous êtes bien Jérémy Standish, n'est-ce pas? Vos amis qui vous avaient pris un de vos postes m'ont fait une excellente description, croyez-le bien. Est-ce que Monsieur Standish vous aide, monsieur? On dirait qu'il a peur de quelque chose, mais peut-être sauriez-vous le remplacer? Il a dit qu'il voulait se procurer une radio. Oui, regardez. Modèle importé. Voulez-vous être assez aimable pour entrer dans le bureau? Je crois pouvoir vous donner ce que vous cherchez. Oh, mais nous pourrions rester ici. Non. Allons dans le bureau. Eh bien, je vous en prie. Faites-le entrer. Asseyez-vous. Signez ça.
que c'est, seigneur? Votre démission. Plus précisément, ça indique que vous avez décidé de nous quitter pour l'Italie. Et ensuite, que va-t-il m'arriver? Je crois que c'est assez évident. Signé. Une autre chance, s'il vous plaît. Allez, emmenez-le vite d'ici. Mademoiselle, je voudrais appeler Londres. Oui, merci. Le numéro 01-246-8090. Oui, j'attends. Merci, mademoiselle. Grégory? Oui, c'est moi. C'est Ramos. Vous avez mis les boîtes de soupe que vous avez achetées dans la caisse vide volée sur les quais. 10 sur 10, monsieur Sullivan. Merci. Mais je m'arrête là. Ah oui? Alors, votre éducation n'est pas complètement terminée. Je vais tout vous révéler. Ne croyez pas que ça vous autorise à espérer. Ça vous l'interdit, en fait. Vous n'êtes plus en sécurité à Lisbonne tout seul. Vous le serez peut-être plus avec moi. Ils ont quitté la boutique. Avec une des caisses de soupe. Oui, oui, Ramos a téléphoné. Je crois que ce jeune monsieur Fallon sera surpris, hein, quand il ira au quai.
Supposez, Signor King, vous êtes à la place de Ramos. D'accord. Votre compagnie est sur le point de faire une banqueroute malgré des réserves importantes, parce que cet argent n'aurait pas été à l'abri dans une banque. Des bénéfices frauduleux. Oui. Ramos a réussi à s'arranger et il a converti le montant des réserves en je ne sais pas quoi. Non mais apprenez que Ramos agit sur les ordres d'un dénommé Cyrus Gregory. Mais c'est le directeur de la société financière d'épargne, c'est bien ça? Oui, c'est lui. Un garçon charmant. Une fois l'argent échangé, il plaçait les objets en question dans les boîtes de soupe qu'il expédiait n'importe où dans le monde. Et dans ce cas, le chargement aurait dû transiter par Londres. Eh oui, alors c'est à cause de ça que cette idée vous est venue, hein? Il suffisait de trouver une seule caisse de soupe. Ça me paraissait idéal comme occasion. Et Grégory s'en serait sûrement pris à Ramos. Et vous et vos associés ne seriez pas inquiétés, hein? Ramos n'aurait jamais su où et quand aurait eu lieu le vol. Et il n'aurait pas pu se plaindre à la police. Et quel dommage, quand on y pense un instant, qu'on ait fait construire de nouvelles caisses. C'est Ramos qui a voulu qu'on lui fasse des caisses nettement plus solides. Étant donné les circonstances, on ne peut pas lui en vouloir. Je trouve que vos complices de Londres ont commis une imprudence ridicule en décidant de voler la caisse. Non, il n'y avait qu'un seul emplacement au monde où ils pouvaient être certains de trouver une des caisses nouvellement dessinées. Oh, mais était-ce... Ah, Liverpool, c'est ça. Bon, nous savions qu'il y avait un risque, mais avec seulement 48 heures à attendre pour réussir le plan, nous devions essayer. Quand exactement vos amis doivent-ils procéder à l'échange? Cette nuit. Allô? Jason! Oui, Sullivan. Je n'arrive pas à le joindre. Je n'en ai aucune idée. Il s'est absenté toute la journée. J'ai pourtant essayé de l'appeler un peu partout. Bon, alors écoute bien ce que je... Non, écoute! Oui, c'est très important. Il nous reste à peine le temps. Alors? Ils viennent d'entrer. Allons-y. Oh non, un peu de patience, Dominique. Laisse-les porter la caisse jusqu'ici. Surveille-le. Vous allez enfin voir ce que nous cherchions, Monsieur Sullivan. Pourquoi? Que va-t-il se passer? Alors, pourquoi n'ouvrez-vous pas la caisse? Nous mourrons de curiosité de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Des diamants. Oui, le meilleur ami de la femme. C'est effectivement un excellent placement. Échangeable dans tous les pays du monde. Donne cette bague. Tu pourrais t'y attacher. Eh bien, les deux bandes sont maintenant arrêtées. Oui. Excepté le seigneur Ramos. Si vous espérez voir le seigneur Ramos, je... Mais non, je suis venu pour vous voir. Néanmoins, ces deux charmants messieurs veulent lui parler. Entrez donc. Si. Seigneur Ramos? J'ai bien peur qu'il n'ait aucun rendez-vous, malheureusement. Par contre, ils ont un mandat pour vous arrêter. Et je crois que vous allez vous retrouver sans travail. Et cependant... emmenez-le d'ici, je pense que vous n'aurez pas besoin de moi. Cependant, j'ai une suggestion avancée. Je viens de louer une villa sur la côte, et si vous vouliez dire taper, j'ai dressé tout un plan.
Votre mère fera la cuisine et je pourrai peut-être réussir à produire à temps le prochain Mark Kane. Et je vous garantis que votre mère pourra dormir tant qu'elle le voudra.